Ah bah non, mais là, t'es foutu, là. Hein, t'as vu, regarde. Simplement parce que quand on peut aider un ami, comme nous on le fait. C'est un programme chargé, mais certes, on trouve le temps si on veut vraiment le trouver. Et moi je viens de quartier aussi, et j'aurais aimé qu'une star du ballon vienne me voir et me donner des conseils. Donc si je peux. Voilà, moi quand j'ai l'opportunité et le temps, je le fais. Après quand je peux pas, mais là, on va faire. Petit aller-retour en express, ce soir on a une échéance assez importante parce que je fais ma soirée ce soir, mais voilà, il y a des choses qu'il faut faire, et si on veut faire des pas, ne pas utiliser les anciens du club pour essayer de remonter la GIA, qui pour moi n'est pas un club de Ligue 2, les Mexès, les Fatigas, les gens qui ont fait la JOCR des 10 dernières années, sans prétention, je pense qu'on peut aider. On a en tout cas, dans chacun dans son registre, on a ce qu'il faut pour aider le club. Maintenant, si le club ne fait pas appel à nous, on n'ira pas les solliciter. Donc c'est à eux de faire le premier pas, c'est à eux. Normalement, c'est à tout le monde. Il y a 30 personnes pour les retraites pour le 13e match. Applaudissements. Je vous demande d'accueillir Djibril Cissé. Alors Djibril Cissé, c'est qui a été le number one à Auxerre, des dates qui font qui sont et là, il avait excellé parce qu'il a marqué sa propre but. Donc voilà, c'est Djibril Cissé, qui date de Valence, on le voit aussi là dans la mode. Viens, entre du club. Je la lis. Smaïn et Sofiane. Ça, c'est Jean-Rat, ça me fait. Prends un selfie. On fait un test. On fera ce qu'on veut. Bah écoute, ma journée c'est simple. Je reviens d'un concert à Zurich. J'ai pas dormi de la nuit. Je suis arrivé directement en gare de Lyon. J'ai récupéré Djibril à Paname. Et une fois que je l'ai récupéré, on est venu immédiatement ici. On a fait les interviews. On va se placer, on va regarder les matchs. Super bien, franchement impeccable. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir, mais sinon on est bien. Tranquille. Et la détection ? Détection, on va lui parler de jour. Voilà. Bah là, t'inquiète pas. From. Parfait, ça merci Brass. Ah super, allez sur la droite. Allez. Yes. Merci. Enzo. Ça va, champion d'Europe de boxe. Attends, Brian, ça va. Gap.
8 le rond noir. Elle est bon, elle est bon. Donc le 5 c'est le seul joueur que c'est fait. Il a commencé et tout. Il a joué. Il a joué à Monceau là dans un club. À Monceau. Saint-Germain, c'est mis au niveau CFA. Ah, franchement, félicitations, ce que j'ai vu, c'est bien. Il y a des joueurs pas mal. Après, il y avait une différence d'âge, donc vous ne pouvez pas forcément vous donner à fond. Les plus jeunes, c'est bien, vous êtes battus avec ce que vous avez. Les plus vieux, c'est bien aussi. Vous aurez dû peut-être jouer un peu. Même si, c'est ça le respect du jeu. S'il faut leur mettre 20-0, mettez-les 20-0. Ils vont apprendre. Si, ils vont apprendre dans leur main. Du 20-0, ils vont apprendre. Ouais, vous avez été pas mal aussi. Mais non, franchement, félicitations. En tout cas, vous avez un nouveau président qui vraiment, ça lui tient à cœur de porter le club le plus haut possible. Moi, comme je lui dis, c'est un ami avant tout. Donc, s'il a besoin de moi, je serai là en tant que conseiller ou comme il a besoin. Peut-être pas joueur parce que j'ai plus les jambes. Mais en tant que voilà, conseil, je serai là. Et franchement, je suis content de ce que j'ai vu. Il y a deux trois joueurs qui me plaisent. Donc, Franchement, continuez à vous battre, il y a toujours la place, c'est jamais trop tard, faut pas compter sur les autres, l'aide des autres, en général elle vient pas, faut la provoquer, faut aller la chercher, et voilà, croyez pas que ça arrive qu'aux autres, il faut se battre et c'est jamais trop tard, vous avez encore le temps de faire une... Même si c'est pas une carrière pro, aller le plus loin possible et donner le meilleur de vous-même pour justement vous soyez fiers de vous et pouvoir vous regarder dans une glace et dire j'ai fait le mieux et j'ai pas lâché et voilà, ma famille est fière de moi, mes enfants sont fiers de moi et tous les gens qui m'entourent sont fiers. Donc battez-vous, c'est pas simple, moi aussi je suis passé par là, par des clubs un peu moins connus et finalement pour y arriver, mais c'est à force de se battre et de jamais rien lâcher et de pas forcément écouter ce qu'il dit aussi et se battre. En tout cas, vous avez un président qui va vous donner les moyens qui pourra et qui fera tout pour vous aider. Donc encore bravo pour ce soir, bravo pour les jeunes, bravo aux plus anciens aussi et félicitations à Brahim parce qu'il il vous prépare quelque chose de bien et je pense que vous allez kiffer ça. Je suis vraiment satisfait. Ah, c'est fort. Je remercie vraiment Djibril, il a vraiment joué le jeu. C'est vraiment un. Je savais que c'était un mec bien, mais là, ça espère. C'est énorme. Franchement, la disponibilité, les gens qui viennent, ils restent 10 minutes. Ils se montrent. C'est vrai, ils restent et ils donnent leur avis, ils vont parler aux gars. Franchement, c'est. Chacun sa personnalité. Voilà, chacun sa personnalité. Bah, ta soirée. Ah, il travaille. Merci beaucoup. Il revient d'un gros truc, il repart demain. Voilà. Ah, c'était quoi? C'était Gims hier? C'était Gims, ouais. Et là, je repars demain, justement, tourner un clip avec lui. Donc, tu m'as appelé, t'étais avec lui, vendredi soir. Exactement. Voilà, je suis vraiment content et je remercie Djibril Cissé. S'il a besoin de moi sur quoi que ce soit, où je peux l'aider, il sait qu'il peut compter sur moi. Ouais. Ça, c'est pas un problème. Comment on fout ton équipe, là, de ce qu'on a vu? Parce qu'il y a du concret qui va se faire, il y a un groupe qui va se créer. Ouais. T'as vu des choses qui font que t'as fait des choix aujourd'hui? Ouais, bien sûr. On a repéré quelques joueurs. Je pense qu'il y en a même certains, comme me disait Djibril, qui ont leur place clairement chez les adultes, dans les moins de 18. Et je pense qu'eux, on va les intégrer chez les adultes. Et chez les adultes, on va faire un tri. Parce que comme je le dis, on avait trois équipes l'année dernière. Moi, ma politique, je préfère me concentrer sur une équipe et vraiment faire du qualitatif que du formation de jeunes. Et en jeu, tu peux nous reconfirmer, une U7, une U11, une U15, voilà. A priori. Et on espère une équipe féminine. Ah, donc c'est on possible. On espère une équipe féminine. Bah, moi-même,
à venir vous dire bonjour. C'était important et venir voir le match et recruter. Ouais, c'est tombé. Voir aussi de la qualité qu'il y a dans cette équipe. Et en tout cas, merci, voilà, merci d'être venu. Je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche. Demain, c'est férié pour quelques-uns d'entre vous. Il y en a qui doivent travailler. Donc, voilà, une bonne fin de journée et j'espère qu'il ne va pas pleuvoir. C'est vraiment ça pour moi. Donc, merci à Djibril. Il est mon roi. Eric, je vais les mettre en retard. Les appeler sur Facebook, tant mieux, je te vois. Hein ? Bon appétit. Mets-toi à côté petit. C'est pas l'auteur. Ah, il a du talent, hein, mon gars. Ouais, 17 ans, il a du talent. Ça, c'est dessiné, ça ? Oui. Oh, propre. Oh! C'est propre! Merci, c'est propre! Oh non, 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 c'est propre! C'est propre! La balle! Super! Tu partais quoi? C'est méchant! Le reste, merci! Je me dis, il va proposer ici, c'est bon! C'est bon? Tu vas la capucher, celle-là! Je suis là, reviens! Vas-y!